Allez, super. Et bonjour tout le monde. Bonjour à tout le monde. Allez. Alors, on va tester un truc, petit impensable, Jérôme. Mmh. On va voir si tu trouves. Allez, mélange. On va dire que Jérôme est... Jérôme est pas content. Alors, on y va. Pas pour l'instant. Alors, on va faire un truc... Non, aucune complicité dans les tours. Le but du jeu, c'est comme que c'est des impensables, ouais. Justement. Les impensables, on le fait en impromptu pour pas que l'un connaisse le tour de l'autre. Comme ça, on teste. Oh, pardon, j'ai touché le jeu. Remélange, pardon. Allez. Je suis en train de discuter, du coup, c'est le... Ouais, c'est automatique. C'est automatique. Donc, mets-moi des cartes au hasard dessus. Voilà. On est bon ? Bien donc, au hasard. Si je distribue comme ça... et que je demande à Jérôme de choisir deux cartes, une ici et une là, et toi une ici et une là, ouais. Que tu les mémorises, après on les retourne, d'accord? Et après tu me dis, moi ma carte elle est là et là, je te dis, ben, c'est celle-là et celle-là. Il n'y en a qu'une, c'est facile. Okay. Ah oui, là c'est sûr que donc, c'est si une évidence, oui. On en rajoute une. Une chance sur deux. Là il y en a deux, là il y en a deux, là il y en a deux, là il y en a deux. Donc là si tu me dis ma carte elle est là, ah, oui. J'ai une chance sur deux oui. De la retrouver. Là t'as une chance sur deux, oui, exact. Alors, si j'en mets deux, là, ça sera plus dur, ça sera une chance sur deux. Si bah, c'est sûr. Si tu me dis que la carte est là, une chance sur deux. Eh oui. D'accord. La difficulté est un peu plus. Alors, on va augmenter la difficulté. Là, il y en a trois. Un peu plus dur. Mmh. C'est sûr. C'est exactement comme hier. Ouais. Mmh. Et si on fait ça, ben, c'est encore plus dur. Et en plus, le jeu a été mélangé, donc les cartes qui sont là, je ne les connais pas. Ouais. Donc, Jérôme, tu vas en choisir une ici. Ouais. Je vais me retourner. Tu vas prendre le jeu, tu les mélanges. Tu les mets vers toi, tu choisis. Je me rappelle. Tu prends ici, tu mélanges, tu mets vers toi, tu choisis. Et ainsi de suite. Donc on va commencer par Jérôme, tu vas commencer par ce paquet. Tu choisis une carte, tu la retiens, tu peux la montrer à tout le monde. Après, tu prendras celui-là, tu montres à tout le monde. Et en fin de compte, Jérémy, une fois que tu auras vu comment il a fait, tu feras pareil. Okay. T'as compris? Et moi, je serai retourné, donc je connais pas les cartes que vous allez choisir mentalement. C'est vrai. On s'en rappellera de ça, on mentalement. Chacun une carte, on choisit. Ouais, en toi, gros, c'est une ici et une c'est ici. C'est comme si il y avait 4 spectateurs. Deux. J'ai pas 4 spectateurs, donc vous ferez les 4. Ça va. Ok. C'est parti, les gars. Allez, pas de soucis. Tu prends le premier, tu mélanges. Je mélange. Tu mets vers toi. Je mets vers moi. Et je choisis une carte. Tu peux la montrer à tout le monde, même à Jérémy. Ouais, il la voit Jérémy. Et à la caméra. Ok. Je remélange. Oui. C'est bien. Rappelle-toi de ta carte. Hein. Je me rappelle je de ma carte. Il faudra en mémoriser deux, c'est peut-être dur pour toi. Non, t'inquiète. Tu fais pareil pour l'autre. Tu montres à la caméra. Allez, on va prendre ça là. Jérémy. Ouais, c'est bon. Ok, moi je me rappelle de mes cartes. Allez. Jérémy, tu prends le troisième paquet. Tu mélanges. Tu mets vers toi, tu en choisis une librement. Essaye de faire quelque chose de dur, hein. Prends pas toujours quelque chose d'évident. Allez. Tu l'as montré, Jérôme il l'a vu, tout le monde l'a vu. La caméra l'a vu aussi. Et la dernière. Après si tu veux pas la montrer à Jérôme, tu la montres pas. Hein. Tu peux pas la montrer à la caméra, tu la montres pas non plus. Il y a aucun problème. Allez, c'est bon. Hop. C'est bon. Attends. Si on va montrer à la caméra, comment on va dire que. Mais s'il veut ne pas les montrer, il y a aucun souci. C'est bon. C'est bon. Maintenant, tu prends un paquet, et tu mets sur l'autre, celui que tu veux. Celui que je veux. Un paquet et je repose où je veux. Ouais, le paquet sur un et un sur l'autre et tu refais qu'un seul paquet. Si tu veux. Ouais. Et ainsi de suite. Voilà, ainsi de suite. Le paquet où tu veux. Donc je ne peux pas savoir. Et à la fin, il doit tracer plus qu'un seul paquet. Voilà. La condition pas mal hein, l'histoire. Alors, je fais ça. Quatre paquets. Donc vos cartes, elles peuvent être toutes les quatre dans le même paquet. Ou une là et deux là. Il n'y a aucune importance. Je retourne. Ce qui est possible. Ce qui est possible puisque ça a été coupé et machin. Hop là. Et maintenant, je vais demander à Jérôme de me dire dans quel tas est sa première carte. Ma première carte, elle est dans ce tas-là. Dans ce tas-là. Donc là, nous avons soit noir, soit rouge. Ah, bien vu. Donc, noir ou rouge. Ça peut être le valet de pique.
mais je pense pas qu'il ait pris une figure parce qu'il va dire tiens, je vais l'embrouiller. Le 8 de pique. Neuf de trèfle ou quatre de cœur. Alors, je pense pas qu'il ait pris du noir. Je pense qu'il a pris le 4 de cœur. Je dois te dire si c'est vrai. C'est une affirmation. La première carte que j'ai choisie, c'est bien le 4 de cœur. Jérémy, un verre d'eau. Ça va, pour l'instant ça va. La deuxième. Ouais. Elle se trouve où? Eh bien, elle se trouve dans le même paquet. Ah, donc ce que je disais, donc ça peut être le valet de pique, ou le 8, ou le 9, mais je sais que c'est noir. Ça, c'est une certitude. C'est fort. C'est fort. Bon, là, ah, putain, le mec, il est balèze. Ouais, il s'est dit, je vais prendre une rouge, une noire, donc je vais prendre le valet de pique, certitude. Bien vu. Jérémy, toi ouais. Bien vu. Ouais. Ben moi, ma première carte, elle est dans le même paquet. Oh, coïncidence. Si je me trompe donc pas, c'est pas le valet de pique, c'est pas le... Sais pas ce que c'est. Ah oui, oui. Le valet de pique, c'est pas le valet, c'est, ça peut être que le 8 ou le 9. Mm-hmm. Donc peut-être le 8 de pique. Mais je pense que toi t'aimes bien l'argent, donc t'es allé sur du trèfle, le 9 de trèfle, je pense, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Vas-y pour la dernière carte. Premier paquet. Comment? Le premier paquet. Tu veux dire l'as de trèfle? Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais dis-moi en cas. Hein. On les attend maintenant, on attend que la caméra le coupe. Je suis allé vite, hein, je ouais, sais. Oh là là, incroyable. Pourquoi l'as de trèfle? Oh les gars. Joli. Donc il y a deux façons de le faire. Une façon dure, qui est celle-là, et une façon plus simple. Donc dur, si tu le fais, que ça doit être simple. Oui, mais là, comme hier, j'ai une bonne concentration et c'était facile. D'accord. Et voilà. Hein. Ma foi. Ah, joli. Bien. Pas d'idée, toujours pas? T'as pas eu le temps de réfléchir. En plus, hier, t'es parti, je sais pas où t'avais rendez-vous, donc t'as pas dû mettre ton esprit là-dedans. Et bim, de le revoir. Au dentiste. Ah, oui. Et de le revoir. Non, c'est fort, ouais. Non, j'ai pas réfléchi du tout. Car pensée, hein, mon gars. C'est bien. Petit impensable, joli. Tu le regardes nos impensables. Oui. Voilà, celui-là il sera cadeau, je te l'offre. Et surtout que c'était différent de hier, celui-là on a quand même trois quarts dans le même paquet. C'est vrai que ça peut changer à chaque fois. Ça peut changer, vous arrivez. Parce que sinon on choisit que les premières, on les mélange, on les met qu'en première position par hasard. Il y en aurait une dans chaque paquet différent. Mais ouais, c'est comment tu sais que... moi, est-ce que tu connais l'emplacement des cartes? Et je passe bien à l'écran. Enfin, moins bien que nous, quand même, hein, avec Jérémy. Ouais, souvent, moi, est-ce que les cartes... non, il n'y a pas de suite. Non. Il n'y a pas de suite? Non, je veux dire... Moi aussi, au départ... Même, par exemple, un 2 de trèfle, qui part un as de... quoi, l'as de trèfle, par exemple, 2 de cœur, 3 de carreau, et enfin, quand tu sais qu'il y a un ordre, mais bon, même à la fin... Tu les as mélangés. Ouais, voilà. Avant de commencer, tu as déjà mélangé. Après, tu m'as refait les... Moi, la première version, pareil, il me l'a fait aussi comme ça, mais direct. Il me dit, ouais, bon, ça va, c'est... Je me dis, j'ai pas eu le temps de chercher, mais je me suis dit, il doit avoir... Comme il voit, il le voit pas en premier, mais s'il sait... Et non, finalement que... Au final, non, puisque tu mélanges. Si c'est pas un joueur de foot. non. Bon, voilà. Bien ou bien, les gars? Bien. Allez. Ben oui, c'est un joueur de foot. Bien. On y va? Explication? Mais ouais, joli. Bien vu. Genre, ça va être... Allez, on éteint. C'est parti. Bien vu. Ça va être un truc simple, en fait. Mais pas le roi de pique, hein. Ouais, c'est celle de Jérôme. C'est pas... Le roi de trèfle... Mais j'irais peut-être dire l'as de cœur, parce qu'il se retrouve tout seul parmi les noirs, mais que tu n'avais pas que des noirs dans ton... Parce que là, oui, il se retrouve comme ça, mais toi, tu n'avais pas ces cartes-là dans les mains, parce qu'il y en avait une à lui et une à toi. C'est vrai. J'irais dire l'as de cœur. C'est l'as de cœur. Et la dernière, elle peut être soit là, et où elle peut être aussi là. Hein. Elle est ici. Et là, on se dit, elle est où? Ta 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 ta. Donc, J'avoue, c'est bien. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est... Je suis en train de chercher, c'est pas mal. Alors là, je me dis, mais pourquoi il irait prendre deux fois l'as? Un as de cœur et un as de trèfle. C'est ça qui est fort. Et effectivement, t'as pris l'as de trèfle. C'est joli. Non, oui. Joli. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, ça? Ah ouais.
Ah, oui, surtout que c'est en impromptu, c'est-à-dire que tu arrives, tu mélanges, tu donnes et c'est parti. On peut le faire. Celle-là, c'est la manière la plus dure, j'avoue. J'ai essayé de me concentrer pour y arriver et bon, j'y suis arrivé. Et autrement, il y a une manière beaucoup plus simple que l'on dira dans cette explication, mais qu'on va te dire quand même maintenant.